Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne James Crab. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un haul nos. Donc j'en ai profité ce matin vu qu'on va être confiné à partir de ce soir. Et en sachant que mon nos est à plus de 30 km de la maison, donc on ne peut pas après dépasser les 10 km. Donc voilà, j'en ai profité. En sachant que ce matin j'avais un rendez-vous pas très loin, je me suis dit hop, il y a un nos, je vais y aller. Par contre, j'ai vu dans des halls qu'il y avait chez Action des nouveaux Dyes qui sont arrivés. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, j'étais trop fatiguée. Je me suis dit non, faut que je fasse juste un petit tour chez nous, en sachant que j'allais travailler juste après. Je me suis dit j'aurais pas eu le temps, et puis en même temps j'étais un petit peu patraque, donc fallait que je sois en forme aussi pour aller bosser. Voilà, donc j'en ai profité en même temps pour acheter des petits lots pour mon futur concours. Je vous en dirai plus ce week-end, je ferai une petite vidéo spécialement pour ce concours qui est un concours assez spécial, donc je vous en dirai un peu plus, voilà, ce week-end. Donc voilà ce que j'ai trouvé donc chez Noz, ceci, donc dans les tons violet, rose et blanc, voilà, pour 99 centimes, voilà, donc je m'en servirai, il fait 1m80, je m'en servirai pour faire des petites créas, je sais pas, ou le laisser comme ça, j'en sais rien, je verrai, pour faire des fermetures d'albums, ou je sais pas, je verrai, voilà, donc j'ai trouvé ça. Ensuite j'ai trouvé ces petits papillons juste pour Mimi, pour Pâques, pour faire des petites créas, ou voir, voilà. Pour le coût à 1,25€, voilà, donc c'est des petites pinces, hein, des petites pinces à linge, et voilà, il y a des petits papillons collés dessus, voilà. Ensuite j'ai trouvé ces petites coccinelles trop chou, trop mimi, donc accrochées à une feuille pour 99 centimes, voilà, pour faire des petites créas aussi, avec des petites cartes pour y intégrer, je sais pas, aussi c'est pareil. Ensuite j'ai trouvé cette petite trousse juste trop mimi, donc je vous cache pas que j'en ai pris plusieurs, ça sera donc dans mon lot aussi, mais bon, j'en dis non, il faut que je, non, je dis rien, vous saurez tout ça quand je ferai ma petite vidéo pour mon concours. Donc elle est trop mimi, voilà, donc je m'en suis pris une comme ça pour moi, donc avec un élastique pour y intégrer sur un album ou un agenda, ou voilà, sur un planner, voilà, de la marque, que je dise pas de bêtises, Lovely Story. Voilà. Voilà, voilà, comme ceci. Trop mimi. Voilà, donc il y avait deux couleurs, il y avait cette couleur et cette couleur-là. Voilà, comme ceci, dans le vert mint, bleu ciel, bleu turquoise, je sais pas, c'est un vert ou un vert. Donc avec... et du bleu avec du rose, très joli, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ces petits carnets comme ceci. Voilà, comme ceci aussi, très joli. Donc, qui va très bien avec cette petite trousse. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce petit carnet qui est juste trop mimi. C'est un petit chat qui est déguisé en licorne. Juste trop mimi. Je sais pas si vous voyez là, son petit élastique avec cette petite corne. Cette petite corne, plutôt. Donc voilà, trop mimi. J'adore. Cat Lover. Pareil, de la même marque. Lovely Story. Avec son petit tag ici. Ce petit chat trop, juste trop mimi. Voilà. Pour 1,20€ celui-là, oui. Ensuite, j'ai trouvé, je dis pas grand chose, hein, honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose, mais bon, ce que j'ai trouvé, ça me plaisait. Des petits papillons comme ceci, donc c'est des petites pinces, voilà, à 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des petits rouleaux de ruban dans le thème rouge, donc j'en ai pris deux comme ceci, donc super joli, j'aime beaucoup le, bon, j'aime beaucoup, c'est pas celui-là que je voulais, ah oui, si, pardon, autant pour moi, donc j'en ai pris un comme ça en rouge, bah ils sont tous rouges, hein. Donc là il y a 5 mètres, voilà, et pour le prix je ne sais pas, parce que c'était dans un
carton et je m'en souviens plus du prix. Voilà, je les ai pris en petits pois comme ceci et j'ai pris aussi celui-ci qui est superbe. Alors, est-ce que je peux enlever le plastique pour juste vous montrer qu'il est super beau? Je vais prendre, attendez. Voilà, donc comme je vous disais, comme ceci qui est juste trop trop beau parce que éventuellement vous pouvez, voyez, vous avez un petit ici ruban en plastique, mais pas tout à fait en plastique, pour, voyez, tirer et former justement un petit nœud. Alors attendez, je vais vous montrer vite fait. Voilà, pour former un petit nœud, on va pas prendre celui-là, tac. Voilà, hop. Donc là, si je tire un petit peu, voilà ce que ça donne. Un petit nœud comme ceci. Donc là, vous voyez, par exemple, je coupe à ce niveau-là. Attendez, je m'y prends mal. Voilà. Voilà, ça forme un petit nœud comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, comme je disais, je suis désolée, ça a sonné. Voilà. Donc ça forme un petit truc comme ça. Bon là, je vous l'ai montré vite fait, mais bon. Je ferai un petit nœud, je vous montrerai ça plus tard. Voilà. Donc, voilà. Donc j'ai trouvé ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé de sympatoche? J'ai trouvé ces petits cahiers aussi, comme ceci. Voilà, comme ceci, qui va très bien justement avec cette petite trousse, juste trop mimi. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, c'est superbe. Voilà ce que j'ai trouvé. Et puis, ce petit cahier en rose aussi, comme ceci, qui ira avec celui-là. Malheureusement, il n'était pas en rose et il n'était pas dans ces tons-là, ce cahier. Mais bon, on peut le marier aussi bien avec celui-ci ou celui-là, hein, de toute façon. Donc, vous voyez, ça rend bien aussi. Donc, voilà, j'ai trouvé ça. Vous voyez, pas grand-chose, hein, au final. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, ça, c'est pour ma petite fille, hein, toujours. Hein. Ma chouquette, quand je vais quelque part, ben, je lui prends toujours quelque chose. Et puis là, je lui ai pris des Candy Pop. Donc, en fait, c'est du vernis pailleté et violet, comme elle aime. Donc, c'est du glitter. Hein. Avec donc un vernis pailleté, voilà. Voilà, comme ceci, en forme de cornet de glace. Voilà, juste trop mimi pour ma petite chouquette, pour 1,50 €. Et puis comme elle adore se mettre du vernis, et ben j'en ai profité pour lui prendre ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris aussi? Qu'est-ce que j'ai pris? Ben voilà. Je crois que c'est tout. Voyez, j'ai pas trouvé grand-chose. Ouais, voilà, c'est tout. Après, c'est des doublons. Des doublons pour justement une partie de mes lots de concours, on va dire ça. Donc voilà pour Noz. Non, ça, ce que je vais faire. Parce que je l'ai mis là. Donc, voilà pour Noz. Et puis j'ai trouvé aussi. Enfin, j'ai trouvé, non. J'avais commandé donc chez AliExpress des dies qui sont arrivés ce matin. Donc, ce fameux dies, je ne sais pas si vous connaissez ce fameux dies. Je ferai justement un rendu de ce dies-là. C'est pour faire une carte coulissante. Voilà. Donc voilà, et je me suis pris ce fameux dice aussi, Memory Dex, avec donc une ouverture secrète. Quand bah, je ferai pareil, je ferai un petit rendu aussi sur ça. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais trouvé aussi? J'avais pris aussi, j'avais commandé ces petites pinces aussi, comme ceci, que j'ai commandé aussi chez AliExpress. Donc voilà, des petites pinces, vraiment tout riquiqui. C'est des petites pinces, vous savez, pour couture, quand on veut faire un ourlet et que, ou
voilà, ou je sais pas, enfin, c'est pour de la couture en fait. Et ben moi je vais m'en servir pour faire mes petites créas quand je dois coller quelque chose et y coincer, ben voilà, je me servirai de ces petites pinces, que j'en ai des grosses, mais bon, ma foi, j'en avais besoin des toutes petites et j'ai trouvé ça trop mimi. Et puis bien évidemment dans les couleurs que j'affectionne, hein, le rose fuchsia et blanc transparent, donc voilà. Donc bah, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Ensuite, bah, écoutez, je vais vous montrer vite fait le rendu de ce petit. Comment on appelle ça? Ce petit ruban. Allez, je vous fais ça tout de suite et puis je vous montre ça de suite. Donc ça, je vais ranger. Donc voilà ce que ça donne, hein, une fois qu'on a fait le petit nœud avec donc ce ruban qui est superbe. Je ne sais pas si vous connaissez, bah, je pense que si. Vous savez, des petits rubans pour mettre dans les voitures de mariage et tout ça pour les mariages. Bah, c'est à peu près pareil, sauf que là, c'est de l'organza. Et puis, vous avez ce fameux petit à l'intérieur ruban un petit peu en plastique. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne, c'est juste trop trop mimi. Et voilà, pour y intégrer dans une créa, je trouve ça sympa. Et puis en rouge, parce que j'avais pas vraiment grand chose en rouge et en ruban. J'avais deux trois rubans rouges pour Noël et tout ça. Mais donc voilà. Par contre là, il y en a pas beaucoup, il y a 3 mètres seulement. Donc vous voyez. Là, je suis pratiquement à la fin et j'ai fait qu'un nœud, vous voyez. Enfin, à la fin, je me comprends. Mais voilà, j'étais pas dans le champ, désolée. Et donc, bah, écoutez, hein, comme vous voyez, hein, le petit nœud tout simple, tout mimi. Vraiment trop, trop joli. J'aime beaucoup. Et donc après, le petit nœud, là, enfin, le petit... ce qui dépasse là, soit vous le laissez pour voilà agrémenter un peu plus de volume, ou soit vous le coupez et puis vous gardez juste ce petit nœud sans ça. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympa avec en plus avec ça. Donc voilà mon petit haul nose, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, tout simplement. Voilà, bah, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très vite. Et surveillez bien mes vidéos, car je vais proposer un petit concours. Donc, voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.